Salut mes chers frères et sœurs. Je crois que ma voix a changé. C'est pas le modificateur de voix, ça. Ça va, vous? Quand t'as revu hier, j'espère que t'as passé une bonne journée. On s'est croisé plusieurs fois, t'avais l'air de bien t'éclater. Ah, c'est vrai que nous, c'était une partie de fun, quoi. Le parc à côté, c'était pas grand-chose. Alors, Goût du Rix, toujours aussi énervé, c'est de la merde, Goût du Rix, frère. À part t'éclater, genre, le dos, le cou, tous tes membres existants, t'as mal, frère. Elle est désagréable, cette attraction. Je sais pas pourquoi les gens kiffent. Dans Astérix, on s'amusait à faire plein de fois les morts. On voulait trop qu'ils appellent les pompiers. Ça marchait jamais. Ils s'en foutent, en fait. J'étais tout le temps mort dans les attractions, mais personne n'appelait les pompiers pour moi. Tu fais pas bien le mort, peut-être? Non, je vous jure, je fais trop bien le mort. Regardez comment je suis un trop bon mort. On voit pas, mais 100% il se tapait sa meilleure barre. Moi? Non, je te jure qu'il n'y avait aucun sourire. Non, en vrai, c'était trop drôle. Hein. Non, attendez, faut trop que je retrouve toutes les conneries qu'on a fait. D'un coup, il y en a un qui s'est dit, ouais, j'ai une idée de fou. On va aboyer sur des gens et on va trouver des gens tout seuls. Regardez ce qu'ils ont fait. Ils sont retournés en mode, ils veulent quoi? Ils se sont amusés à faire quoi aussi? Genre, il y avait trois petits. Genre, ils faisaient trop, genre, vous savez, les petits, genre, qui font les caïds un peu. Hein. C'est amusé à raconter qu'ils arrachaient les boulons des attractions. Il y a un moment, Osiris était fermé. Genre, quand les petits, ils croyaient pas, il a fait. Si, mais c'est pour ça qu'Osiris était fermé et tout, c'était à cause de nous et tout. Il fait jure et tout! Et là, il commence à y croire un peu. Et il fait quoi? Il fait, vas-y, monte les boulons, c'est vrai. Et par chance, il y avait une caméra pas loin. Et il fait, je peux pas, il y a des caméras là. Et le petit regarde, il voit une caméra, il fait, ah, ok. Ah, on n'en pouvait plus. Bon, on a fait un truc de gros porc aussi. Quand on est parti manger, on s'est mis au fond de la pièce et on faisait des concours d'euros. Ne refaites pas ça, c'est vraiment un truc d'enfant. On s'est caché dans des manèges aussi pour faire deux tours. Ça n'a pas marché. La photo de notre cachette dans le manège. Vous connaissez le Grand Splash ou pas? Ok, vous voyez un peu comment c'est. Genre, c'est un peu étape par étape, il y a un peu des conneries. Et je crois que du début à la fin du trajet, c'était littéralement un one-man show. J'étais en roue libre. Genre, je faisais Gandalf. Je faisais, vous inquiétez pas, l'eau ne passera pas. Je faisais que des trucs comme ça. Genre, il y a un moment, il y avait des jets d'eau qui passaient au-dessus. Je faisais, je suis le maître de l'air. Je faisais que des trucs comme ça. J'y allais avec qui? Avec Magla, Lucio, Jordan, c'est un TikToker, et deux potes. À la fin, tu sais, toutes les attractions, elles commencent à fermer et tout. Et il reste le bateau pirate. Et il y a un moment, il y a une fille, elle fait, ouais, je peux m'asseoir avec vous derrière et tout, je veux trop être derrière. On fait ok. Il y a son petit frère, tout petit, qui arrive, et il s'assoit avec elle, au lieu de s'asseoir juste devant elle. Et je rêvais pas, mais on lui dit, t'inquiète, il y a une place là. Et j'aurais commencé à pleurer et tout. Et du coup, je me lève et je fais, hey, tu veux que j'embrouille ta sœur? Et en fait, il y a l'autre petit frère qui est grand, enfin, genre plus petit, je pense que sa sœur, mais qui est grand. Genre, je pense à un bon 13 ans, tu vois, un truc du genre. Il fait, il me regarde comme ça, après que j'ai fait ma blague sur le petit. Il me regarde, il fait, hey, t'es Mikalo. Agression verbale. Et il fait, hey, t'es Mikalo. Il fait, non, et tout. Et on commence, genre, il commence à y croire, que c'est pas moi. Sauf qu'après, on fait la blague de, il y avait Magla qui nous attendait. Et on l'a pointé du doigt, on faisait, hey, c'est Magla là-bas, regardez. Et du coup, il fait, mais attends, mais si c'est Magla, t'es Mikalo. Il était trop chiant, mais il était trop drôle. Et moi, j'hésitais à venir t'embêter, vu que je suis bien plus vieux que toi. Oh, mais ça me gêne pas, hein. Il y a eu des petits, il y a eu des... En fait, il y a eu tout âge. Alors moi, je pense qu'il y a eu des 8 ans, il y a eu... Bon, la moyenne, c'était plus dans la vingtaine, je dirais. En vrai, ça me gêne pas. Hein. Genre, la plupart, ils venaient, ils disaient bonjour, ils demandaient une photo, ils repartaient. C'est chill. Hein. Tant que c'est dans le respect, ça me gêne pas, moi. Tu vois, par exemple, tu vas pas aux toilettes pour demander, enfin, pour dire bonjour ou demander une photo, tu vois ce que je veux dire.
quand même fou l'importance que t'as pour certaines personnes être si gêné en allant te voir. Mais il y en a plein, hein. Il y en a, tu sais, ils tremblent et tout, mais... Je trouve pas ça étonnant, tu vois, enfin... Il y en a, t'as apporté des choses dans leur vie, tu vois. Tu peux changer des vies, tu peux apporter beaucoup de soutien dans des vies, sans le vouloir, tu vois. En voulant juste donner de la bonne humeur, donner... partager un bon moment. Non, mais tu vois le truc, t'es en train de pisser, t'entends le rire de Mika derrière. Non mais tu sais que vraiment, j'ai déjà eu plein de situations comme ça, hein. Genre t'es au chiotte, t'as la queue entre les jambes, là, comme ça. Tu secoues Popol, et t'as quelqu'un qui te fait « Ça va ? Ouais ? On peut faire une photo ?» Bah ouais, pourquoi pas, tu me tiens la queue, tiens, et je tiens ton appareil. Non, vraiment, il y a trop une situation comme ça gênante, genre, c'est... Ouais, j'ai fait Osiris. Bon, c'est la première qu'on a fait. C'était la première attraction de Lucio. Il était blanc. Franchement, ça va, hein. Il est bien, hein. Ça sent, il est à l'aise. Ouais, on a fait toutes les attractions. Mais t'as pris de l'âge, là, Lulu, quand même. Il y a un filtre ou pas ? C'est ton cou ou c'est un masque ? Parce qu'il est aussi blanc que ta tête. Non mais voilà, c'était un petit moment Astérix, c'était très sympa.